Nous venions du monde entier, pensant que cette guerre serait notre rite de passage, notre grande aventure. Laissez-moi vous le dire, ça n'avait rien à voir. Continue à tirer!
De nouvelles machines de mort, comme les chars, ont modifié la guerre du jour au lendemain. Heureusement, la plupart étaient dans notre camp. La plupart. Nos gaz sont fait déborder à l'église! Il faut avancer! L'infanterie compte sur nous! Feu avec cette mitrailleuse! Continuez, pilote! C'est un de nos pilotes là-haut! C'est par terre que ça se passe! Ils arrivent depuis les tranchées! À la mitrailleuse! Hachez-les! On les a mis en fuite! Continuez! On va renvoyer les Boches à Berlin. Attention! Le canon l'a eu. On fait une cible directe pour cette chose. En avant, pilote. Faites le tour! Si vous arrivez à viser ce foutu canon de campagne, détruisez-le! Accrochez-vous! On y va! À gauche, un canon! Tirez sur cette pièce de campagne, bon Dieu! Ouvrons le chemin à nos gars! Rejoignez le reste des chars! Restez concentrés, soldats! En avant, bon Dieu! On approche du but! Tirez sur tout ce qui remue! On va y arriver! En guise d'aventure, nous avons connu la peur. Car à la guerre, nous sommes tous égaux devant la mort.
fond. Assez fort pour que la lumière perce à travers les nuages. Et on voit briller un monde au-delà de la guerre, juste hors de portée. La guerre est le monde, et le monde est la guerre. Mais derrière chaque viseur, il y a un être humain. Nous sommes ces gens. À la fois blasé et naïf, à la fois homme d'honneur et criminel. Nous sommes des légendes à venir et des oubliés de l'histoire. Nous sommes les chevaliers des cieux, les fantômes du désert et les rats dans la boue. Voilà nos histoires.